Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo couture. Hier, je vous ai présenté le magnifique haut Apeia de chez Bélène Paris que je porte actuellement. Et aujourd'hui, on va parler du pantalon jersey Léo. Donc c'est un patron que j'ai acheté sur Makerist. Donc je crois que c'est un patron de leur marque à eux. Et voilà, je l'ai réalisé du coup en ensemble avec ce haut. Donc vous voyez, il est juste là. Comme ça, j'ai un ensemble vraiment en jersey vert comme ceci. Donc je vous envoie le générique et je vous parle plus en détail de ce patron. Alors pour vous parler un petit peu plus de ce patron-là, donc d'abord c'est un patron qui s'est réalisé en très peu de temps. Je pense que j'ai mis, si je compte vraiment découper le patron, découper le tissu et la cousette, je dirais 1 heure et demie à peu près, voire peut-être 2 heures pour être très très large. Mais franchement, c'est un patron vraiment hyper rapide à coudre et qui est très sympa et très facile également. Donc il y a vraiment que 4 étapes dans leur guide de montage. Donc c'est vraiment hyper simple en fait et ça donne un bon résultat. Voilà. Donc je vous montre rapidement. Alors pour ma part, j'ai pris le patron en taille 40 et en fait j'ai toujours tendance à oublier quand je couds un pantalon que j'ai la taille assez fine. Donc ce qui fait que le pantalon baille un tout petit peu derrière. Donc c'est pas hyper gênant, mais c'est vrai que c'est pas des plus ajustés. En fait, j'aurais dû remonter le pantalon, enfin le resserrer à la taille. Et du coup, la bande comme ça qui sert à faire la taille, j'aurais dû également la faire plus petite, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est un détail que j'oublie toujours. Je pense que je vais me le noter sur le patron. Comme ça, si jamais je le refais, eh ben, je saurai qu'il faudra que je fasse différemment. Là du coup j'hésite à soit découdre juste un côté et faire passer un élastique pour serrer un peu plus la taille ou alors de tout découdre mais bon je sais pas encore exactement ce que je vais faire mais je pense que je vais le réajuster parce que c'est quand même dommage d'avoir un truc un peu trop grand. Quand on fait du sur-mesure bah forcément il faut le faire sur-mesure mais je voulais quand même voilà vous le présenter. Donc en fait il y a vraiment que 4 étapes, vous allez les voir dans le tuto que je vous ai fait. C'est hyper rapide de coudre ce patron-là et hyper pratique. Donc il s'appelle pantalon d'intérieur ou de yoga, mais c'est vrai que c'est forcément la matière jersey. C'est parfait pour faire du sport ou en pyjama ou pour traîner à la maison. Moi en l'occurrence ça va surtout être pour traîner à la maison, peut-être en pyjama aussi. Je vais voir avec du coup l'ensemble du haut de chez Bélène Paris. D'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai sortie hier sur ce haut, n'hésitez pas à aller la voir pour compléter un petit peu la tenue. Et d'ailleurs, comme je le disais dans la vidéo d'hier, j'ai fait l'ourlet avec une aiguille double. Donc ça se présente comme ceci. Voilà. Je connaissais pas du tout. Donc c'est vrai que ces deux projets m'ont fait connaître cette aiguille double. Qui d'ailleurs vaut un bras, on doit le dire. Je l'ai payée 7 euros quand même. Mais bon, je vais la garder bien précieusement. J'avais surtout très peur de la casser. Dieu merci, ça n'a pas été le cas. Bref, donc du coup voilà, j'ai appris cette nouvelle technique et je trouve que ça fait des plutôt jolies finitions. Donc je sais pas trop si vous arriverez à voir là. En tout cas voilà, je vous montrerai dans les étapes d'après, vous verrez de toute façon ce point-là. Bref, sans plus tarder, je vais vous laisser avec les étapes du tuto et je vous retrouve en fin de vidéo. Thank you.
qu'elle aura pu vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner ou à liker ma vidéo pour me soutenir. Je vous invite également à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok, @yamsoleneva. Et en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt !